out. But okay, on my birthday, is Memorial Day weekend. On my birthday, I seen them all at Dre's, like this one team. Okay. She's so shy. This is so cute, I know, baby. I'm like, shit. And I don't know, I was getting in a hotel room. They all pulled up and I sucked their down. The whole team. Seven basketball players in a row? Mm-hmm. How was that? I was fucked up. I didn't any of them though. What happened to the nuts? Swallowed. All of them? Yeah. And nothing happened? You didn't have like a weird reaction in your stomach or anything? No, I passed out. That sounds so fun. You're almost making it sound like you were too fucked up to be sucking seven dicks. And also, you were getting by somebody else right before this? Yeah, they walked in mid me getting. How did they walk in? Where were you? In the hotel room. So I was fucking like someone that works with the team. And I know that team because I've hooked up with them before. All pulled up. No, not the whole team. Okay. Like a few of them. They all just pulled up. They knew I was in there and they were like, let's get lit. Bah, bravo, Géraldine. Bravo. Félicitations. Mais c'est dégueulasse, Géraldine. Tu vois pas que c'est dégueulasse quand même. Il est où ton daron? T'as pensé à ton daron? Parce que ça, les gars, n'oubliez pas. Ça, c'est la fille d'un... Il y a un gars, c'est la fille de... C'est sa fille. C'est sa fille. T'imagines, t'es là, t'as des pop-corn, t'es sur YouTube et tu vois ta fille te dire que ouais, j'ai sucé 7 gars et j'ai avalé tout le monde. Tout le monde. Comme ça, et je pas de reflux, non, niveau de la digestion, des détails très pertinents. Mais là, quand même, là, Géraldine, tu vois pas que tu exagères? Et je sais pas si tu as fait attention, mais à un moment donné, elle dit, ouais, non, mais par contre, j'ai pas couché avec eux. Genre, comme si il y avait une différence, quoi. Il y avait, genre, elle fait la différence, genre, ouais, non, mais par contre, personne m'a touché. Hein. J'ai que sucé, ouais, que sucé et avalé. Personne m'a touché. Hein. Genre, elle croit que, genre, je sais pas, ça rentre pas dans son body count, je sais pas qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai entendu des filles qui font la différence. Alors, t'as connu combien de gars? Est-ce qu'on compte les gars que j'ai sucés ou les gars seulement que je suis en train d'intimider? C'est tout ou comment? Elles savent même plus comment compter. Elles aiment tellement faire la puterie qu'elles savent plus comment faire. Tu sais, elles organisent. Non, ça, je compte pas. Lui, c'était pas bon. J'ai pas eu d'orgasme, je compte pas. Non, mais là... Donc du coup, Géraldine était contente, elle a surfé sur le buzz, en plus elle a une fan, donc elle a dû avoir grave des abonnés en plus, ça rigolait avec sa copine, c'est trop marrant pour mon anniversaire, cette gars, donc bon, bah, en tout cas, bravo à toute l'équipe, hein, parce qu'elle dit, ouais, j'ai pas fait toute l'équipe, mais j'ai envie de te dire, cette gars, ça fait quand même, t'as les 5 majeurs plus 2 remplaçants, j'imagine que t'as pas fait toute la réserve, bon. Ben, en tout cas, on n'en était pas loin, hein, Géraldine. Non, donc, elle, super contente, voilà, surfer sur le buzz, ça déchire mon histoire, c'était vraiment fun. Oh là là, en tout cas, personne ne m'a touché, hein, personne. Mais je ne sais pas ce qu'elle se dit. Mais moi, je crois même, après, tu me diras en commentaire, moi, je crois même que c'est encore plus dégradant, genre, les gars, juste les associés, que genre, ils rentrent en intimité, quoi. Enfin, et là, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un double standard. Ben, en fait, c'est pas un double standard, c'est que juste à un moment donné, oui, c'est vrai que dans la même situation, les hommes là ben, vont être glorifiés. Ben, bravo les gars. 7. Ben donc, je sais pas comment ça s'est passé pour le 7e, mais en tout cas, bravo les gars. À la queue le. Ben, bien joué. Bien joué. Par contre, elle, vraiment, t'es dégueulasse. Vraiment là, dégueulasse. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça, cette vidéo, elle date de 3 ans, je crois, un truc comme ça, 3 à 4 ans. Et elle pensait que ça allait partir comme ça, je sais pas ce qu'elle s'est dit dans sa tête. Et maintenant, elle assume plus. Maintenant, elle assume plus. Je sais pas qu'est-ce qu'elle s'est dit dans sa tête. Les meufs, elles réfléchissent pas. Tu dis un truc comme ça sur Internet et tu penses que genre, ça va partir dans un an. Dans 6 mois, plus personne ne va s'en rappeler. Ah non, c'est jamais parti. Et là, elle a fait une vidéo pour se plaindre. Regarde ça. For those of you who don't know this about me, about 3 years ago, I went on a podcast talking about how I hooked up with an NBA team. It went super viral. And I will never, ever, ever live this down on the internet because every few months, like a new blog posts about it, like as if it's new information or something. And so like every couple months, my DMs will be flooded with like hate messages telling me I should myself and that I'm like the worst human being on the world. Just basically any terrible thing you could say to somebody. And trust me, nothing that anybody says in my DMs like that can bother me like
It's honestly just weird to me. I've never understood, like, hate messages or even comments. Like, I'm like, that's so embarrassing. Like, if anybody saw my name under, like, a TikTok or an Instagram post, like, calling someone a horrible human being or, like, a slut or anything, like, negative, like, that's so embarrassing. I would just never do that. And, of course, it's always from a fake page because they don't want to show their face because... Bitch, if I came for you, you know I would eat your ass up if I saw what you looked like. Anyway, so I've never understood that in the first place. And it's like, bitch, you actually don't know me as a person. You know that one story about me. And the thing that really gets me is like, okay, there's people in the world who are abusive, who are abusing their partner, who are abusing children, abusing animals. There's people out here selling drugs. There's people out here really hurting people. And you think I'm the worst person in the world for sucking like, be so fucking for real. And when I say that out loud, I realize, like, sound dumb. How dumb the person is in my DMs. I'm like, bitch, go outside and touch grass. You're so fucking mad. Like, these people are mad at me for sucking. I'm not proud of that story anymore because, like, I'm a changed woman, reformed. But I'm also not ashamed, and, like, people can't come in my DMs and, like, make me feel horrible about something I did, like, when I was 21 and fucked up and living my best life. Like, I'm just, you're not going to make me feel bad about it. I've moved on, and I've learned from that. And I honestly think it's a funny story. But anyways, the point is like, you just can't gaslight me and make me feel like I'm the worst person in the world when I never hurt anybody. Like, be fucking for real. Anyways, I'm sharing this because I know I'm not the only one that gets hate. Like, every bad bitch gets hate, and everybody that's doing something is gonna get hate. But, like, really, when you say it out loud, like, this person is on a fake fucking page calling me a horrible person for doing what? For doing what? Like, you're fucking weird for that. Mais c'était une évidence, Géraldine, toi aussi. Tu fais un truc dégueulasse comme ça et tu penses que tout et que les gens ils vont oublier. Donc après, j'avoue, les gars, ils exagèrent. Enfin, ils exagèrent. Les gars, ils sont vénères. Mais ils sont vénères de quoi, genre? Ils sont vénères parce que eux, ils galèrent. Hein, ils voient une meuf comme ça qui est mignonne et tout. Ils se disent, mais moi, je l'aurais mariée, elle. Mais non, elle va sucer 7 gars de la NBA. Et elle avale tout le monde. Donc lui, elle, ça les énerve. Bon, voilà. C'est un peu ça, pour ça qu'ils ont énervé. Après, franchement, c'est vrai que c'est du gâchis. Je veux dire, je me dis, mais tiens, si j'étais une femme quand même, t'es mignonne. Bon, le corps, je sais pas ce que ça donne, mais bon, je pense qu'elle ne doit pas être trop mauvaise. Hein. C'est tellement facile, quoi. Genre, au lieu d'utiliser ton beauty privilège de cette manière-là, où tu te dégrades totalement, hein, bah... Utilise-le genre pour trouver un bon mari, quoi. Eh non, mais moi je veux pas dépendre d'un homme. Ah bah oui, mais enfin. On arrive à des trucs comme tu veux pas dépendre d'un homme, tu veux faire un OnlyFans, quoi. Je fais la puterie pour pouvoir gagner de l'argent et c'est mieux comme ça, je suis une boss. Je suis une bad bitch. Oh là là, la vie va vous gifler. Déjà, toi, déjà la malle. Déjà, la malle, parce que la vie là, bah, la vie l'a giflé, mais ce n'est que le début. Elle ne sait même pas. Parce que là, elle fait sa maline. Je ne sais pas quel âge elle a. Elle a encore, voilà, faut encore sa petite maline. Mais dans 10 ans, gars, ça ne va jamais sortir d'Internet. Imagine, tu as des enfants. Et ils voient ces vidéos. Ah ouais, 7 gars d'affilée, ils faisaient la queue. Mais personne ne m'a touché. Hein. J'ai pas couché avec eux. Juste sucer et abaler. C'est bon, c'est bon. Tes enfants, ils vont voir ça. Les cousins de tes enfants. Les copains de tes enfants. Mais comment tu réfléchis, Géraldine? Donc, pour revenir à quelques points de la vidéo où tu te plains, déjà, premièrement, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a dit, ouais, non, mais si les gars, ils viennent avec un faux profil, si vous avez de la chance, parce que sinon, je serais venu et j'aurais fait une descente. Arrête. Géraldine, arrête un peu. Tu répètes des mots que tu as entendu des gars dire « Ouais, je vais descendre, tu as de la chance, j'allais vous soulever. » Qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Arrête un peu. Dis « Ouais, je vais envoyer des avocats et encore. » Tu avocat, ouais.
Ouais, essaye. Les gars réagissent sur une histoire que tu as rendue publique. Deuxième point, à un moment donné, elle dit « Ouais, les gens ne me connaissent pas. » Bah, écoute, on en connaît déjà pas mal. Hein. Je pense qu'on en connaît suffisamment pour savoir que tu es fort de street. Hein, tout simplement. Et qu'on n'a pas besoin de savoir plus que ça, en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on sache de plus, en fait? Tu t'es dégradé et en plus, tu n'as même pas l'air de te rendre compte de la situation. Tu as l'air de faire « Mais pourquoi les gens disent que je suis une femme horrible ?» Elle ne comprend pas, toujours pas, quoi. Donc c'était cool, tu as voulu faire de l'argent rapidement, hein. C'est bien de faire de l'argent rapidement sur court terme, voilà, tu as surfé sur le buzz, tu as fait ton oseille, mais ouais, mais tu peux pas avoir l'argent et le beurre de l'argent, hein. Tu te dégrades, à un moment donné, les gens vont te considérer pour ce que tu es, si tu ne te respectes pas toi-même, comment tu veux que les gens te respectent? Et comme j'ai dit, ce n'est que le début, parce que ça va te hanter à vie, ça va te hanter à vie. Elle sait pas. Je crois qu'elle se rend pas compte. Non, je crois qu'elle s'en rend compte là. Parce qu'elle voit que chaque année, les gars, ils font un nouvel article. Mais même s'il n'y a pas de nouvel article, quel gars va venir se marier là? Même s'il voudrait, c'est chi. Avec tout l'amour qu'il pourrait avoir, comment il fait? Il s'imaginait 7 gars en train de faire la queue. 7 gars de la NBA en train de faire la queue. Après, on a eu droit au fameux argument que j'entends souvent. Les gens aiment bien sortir cet argument. Il y a pire dans la vie. Il y a des gens qui abusent des enfants. Donc là, tu essaies de justifier tes bêtises, ta puterie, en utilisant des enfants qui se font abuser. Tu sais, c'est comme un gars, genre, il te vole, et après, il dit, ouais, mais bon, tu sais, il y a des gens, ils te volent, et puis après, ils te tuent. Donc, j'ai envie de te dire, ça pourrait être pire. Je comprends pas pourquoi tu es vénère que je t'ai volé. Je veux dire, il y en a, voilà. Hein. C'est pas. Estime-toi chanceux. C'est une chance. Hein. Voilà, on est à peu près dans le même. On est pareil là. Hein. Même à Kabyle. Là. Là, voilà. Donc là, il y a des enfants qui se font abuser. Donc pourquoi on lui prend la tête? J'ai l'impression qu'elles sont dans une matrice et elles réfléchissent entre elles toutes seules. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné, à haute voix, elle dit ouais, non, quand j'y réfléchis, je vois comment je suis smart en fait. Et que vous êtes vraiment stupide d'agir comme ça en fait. Ça n'a pas de sens. Mais c'est incroyable, dans ses yeux, je vois comment elle comprend pas en fait. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste sucé. J'ai juste sucé cette gars et avalé. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de refus. Hein. J'ai pas eu de refus. La digestion, passé nickel. Nickel. Ouais. Comme une lettre à la poste. Donc elle arrive quand même toujours à dire, ouais, je suis pas fier, mais en même temps, j'ai pas honte. Donc on sait pas. Qu'est-ce que tu veux? T'es pas fier, t'as honte, t'as pas honte. Bon. Il dit non, j'ai pas honte, j'ai vécu ma best life. Alors, ça, c'est le truc. Alors, l'excuse de la best life, voilà, ça, c'est un truc nouveau. Ou elles appellent ça encore faux phase, un truc comme ça. Mais, genre, c'est en tout cas, c'est une période où tu fais la puterie, quoi. Hein, liberté sexuelle, une petite période. Et voilà, elles disent ouais, il faut avoir cette période-là pour pouvoir avoir de l'expérience pour qu'après on se marie. Bon, je sais pas qui vous a dit ça, qui vous a menti. Qui vous a menti, et après elle a 30 ans, il n'y a plus d'homme. Stupide. Donc elle est là, donc oui, moi j'ai vécu ma best life, il ne voit pas le problème, et vous voulez me faire croire que je suis une personne horrible. C'est une histoire marrante, on devrait tous rigoler ensemble autour d'une table avec mon daron, mon oncle, ma grand-mère. Ça, c'est des trucs que tu ressors et on rigole. On se rappelle de la bonne époque, hein, quand je vivais ma best life. Non, c'est pas exactement comme ça, Géraldine. Comme un gars avait mis sous mes commentaires, j'ai bien aimé, il a dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. » Voilà, on va finir cette petite note de réflexion. Hein? Donc les gars, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, dans mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, à moins de créer un arnaque. Regarde quand même. Hein? Et Zeus, le groupe des 10%, check ça en description. Et les gars, on lâche rien et on reste des terminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais donc en.